sereinement, sans souci et sur la bonne pente. Sans moi des copines, copains, problème et galère de rien. Le week-end est déjà là, la soirée s'annonce bien, bien. Tout le monde se voit comme à chaque fois. Il ne manque personne et personne ne veut rater cela, quoi. Rien de spécial, tout est bien trop banal. Mieux vaut être ensemble pour s'éclater, normal. Tout se déroule comme prévu. Rendez-vous à telle heure, cinéma puis salut. Chacun rentre chez soi et à demain. Elle se retrouve là, reste avec lui pour faire un câlin. Ses parents sont partis chez les amis. Tu peux venir un peu si tu veux, bien sûr que oui. Le petit câlin est beau et elle ne se doute pas cette fois qu'elle aura 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. La semaine commence, tout est cool et elle le porte. Même si les cours sont intenses, en fait, ils sont sa chance. Elle s'accroche à tout, demande des explications. Monsieur, je n'ai pas compris, je veux des précisions. Semaine après semaine, le temps passe, c'est cool. Le retard se fait long, le bien-être s'écroule. Panique, que se passe-t-il dans ce corps? Le test est positif, oh, changement de décor. Elle se replie sur elle-même, pas un mot à sa mère. Elle veut pas lui faire de peine, peine, peine. Parle à son copain et lui dit clairement, il est beau ou fort, grand, mais s'enfuit en courant. L'arme de déception, elle a le cœur brisé. Le trou est bien noir et la lumière a brûlé. Une fois à la maison, maman, écoute et assieds-toi. J'ai vécu 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. Elle croyait avoir tout vu, vu sa mère dans tous ses états. Mais mon Dieu, ma fille, pourquoi? Mais mon Dieu, mais qu'as-tu fait là? Cela n'était rien comparé à l'attitude de son père qui en était traumatisé. Elle est déménagée chez sa copine, parle d'avortement, d'être mère, mais c'est sans victime. Ses parents multiplient les contacts et restent sous le choc de Laura, t'es manque de tact. Arrête ses études sur le coup, comme la vie est dure, mais ses amis l'aident beaucoup. Te sens-tu prête à assumer les responsabilités, car il faudra les lever? Elle ne veut pas tuer un enfant. Elle a besoin de conseils, alors parle à ses parents. Son ami les prépare avec une phrase. Et mais là, elle aura 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. 16 ans, 9 mois et un bébé sur les bras. Alors de cette histoire, tout se change et rechange. Visite gynéco, test sida, rien d'étrange. Évidemment pour ses parents, elle restera l'orange. Dès lors s'arrête le doute, elle veut que tout s'arrange. Quoi qu'il en soit, tout ceci a marqué son présent, son passé, son futur mélangé. Connaître, savoir, question d'enfant. Ce choix lui appartient que peu.